Ah, ils sont là-bas. Ça va tranquille? Tranquille. Attendez, on cherche deux trois petits trucs. Ouais, deux trois petits trucs pour vous cacher les visages. Oh oui. Histoire que vous ne voyez que dalle. Et qu'une fois un spectacle soit là, vous puissiez les enlever. Ah, on va voir un spectacle, c'est trop cool ça. On va dire vous avez bien les fêtes. Un spectacle où il faut travailler. Ah, oui, bah c'est pas mal, c'est bien. J'allais dire, c'est bien le travail avec vous si on va voir des spectacles. Et parce que le Diblé là, le Diblé numéro 2 là, il a. Moi j'ai dit, elle est parfaite. Ah oui, moi s'il faut travailler, moi je suis toujours prêt. Ouais, t'as la tenue parfaite, y pense. J'ai bon dans tout. Et vous avez déjà travaillé la terre ou... ici ou pas, ouais, bien sûr, j'ai vécu à Saint-Dichon, moi je suis né ici. Parfait. Bon, vous pouvez ranger la voiture directement avec le garagiste. Oh, vas-y, bah rapproche la courbe parce que s'il faut les faire monter dans ta voiture. Oh, vas-y mon pote là. Attends, je vais prendre un truc là. Vous savez ce que j'ai peur les potes du troupe top. C'est le seul truc qui me fait chier quoi. Mais c'est vos pères ? Oui, il doit te bander les yeux là. Il y en a un, enfin on va vous bander les yeux là en fait. Ok ouais. Pour pas que vous voyez aussi en fait. Ok, vois, ça marche. Ouais. Ah pas de problème. Oh vas-y, bon je commence par toi là, plutôt. Ouais. Oui, je t'attache ça. Ah, vas-y, attache. Ah, sert pas trop. Non, tranquille. Juste en de quoi tu vois pas. Ouais, là c'est bon, là je vois plus rien. Je peux pas tricher. Attends, t'inquiète. C'est la nuit là. Je t'en prends isoline là. Ah c'est bon là, je vois plus rien. Ouais, ici j'ai combien de doigts là? Je sais pas, t'as deux mains. Ouais. Mais je sais pas combien de doigts tu me montes là. Voilà, là tu vois. Ouais, c'est bon, tu vois pas. Ah non. D'ailleurs, allume la voiture. Va pas trop loin mon gamin, reste là. Ah y'a là. Ok. Attends, je vais le dire ici dans ta cour. Ouais, vas-y, tiens, je te prends par le bras là. Ça va. Deux autres qui voient encore, montez directement dedans. Vas-y, oh je t'ouvre la portière là, monte là-dedans. Demandez, il veut ouvrir tout ça. Attends, faut les masquer les deux autres. T'inquiète, il veut. Il veut les masquer dans la voiture. Là ici. Ah bangleur les yeux, hein, oublie pas. T'inquiète pas. Ta voiture, les classes est toutes rouges et tout. Ah non. Ouais. Regardez la radio, s'il vous plaît. Y'a pas de soucis. Voilà. Là où vous êtes assis juste en dessous de votre équipe, vous verrez un petit truc pour vous cacher les yeux correctement. Et avant de démarrer, je regarderai. Tout va bien. Et si vous ne voyez que dalle, vous prenez directement sur votre siège. Ah, c'est. Oui. Ah. Ah. Je l'ai. Ah, il s'est passé quoi? Moi je veux bien faire le gars qui fait le moteur. Oh ce moment quoi. Rien, je suis un bug, Mario, j'ai perdu la vue mon gamin. Bougez pas là. J'ai perdu la vue mon gamin. Mario, je me couche. Couchez-vous les gamins, couchez-vous. Comment on fait pour se coucher les potes?
ok, c'est N. Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture là? Il y a moyen en vrai. Des esprits ici ou quoi quoi? Waouh! Oh, y'a plein de bruit, Manu. Je vois rien. Ah, je suis sûr, c'est une attaque terroriste. Bougez pas. Ah, on bouge pas. Ah, y'a, on a la voiture, elle a perdu les roues. Je pense qu'il y avait un problème avec les suspensions. Alors, vaut mieux que ça arrive maintenant que pendant le travail parce que on n'est pas productif après. Ouais, t'inquiète pas. Faut être productif, mon pote. Bouge pas, mon gamin, tu vas te faire écraser là, je t'entends bouger là, qu'est-ce que tu fais? Il est pas roulé, il a dit qu'il y avait des crocodiles devant lui. Ouais, je sais bien, ouais, mais je me dégourdis un peu les pieds. J'ai peur, dis-toi. Hein. Putain, dans quelle merde on s'est fourré? Mais t'inquiète pas, tous ceux qui ont fait ça ils sont ressortis vivants. Ah, bah ça va alors. Il est content. Très content. Bah voilà, vivant et content. Moi, si je finis dans ton tombeau, ça me va. Donc quoi, il a dit? Un tombeau. Un tombeau, je crois. Ouais, c'est un vampire. Tu connais pas la série genre Twilight? Ah si. Ouais, bah c'est le même. Moi, faut regarder ça quand j'étais encore en France. Bah c'est lui le vampire de Twilight. Sérieux, c'est lui? Ouais, c'est lui. Je suis un vrai moi. Un vrai. Ouais, oh, ouais. Je sais pas, les gars, je con. Ouais. Mais il va pas vous bouffer parce qu'il se contrôle, il sait qui bouffer ou pas. Il aime bien les vierges. Allez, là, ça va, c'est bon, je suis pas vierge. Ouais, c'est vierge, j'ai un truc qui brûle là, non? Non, c'est quelqu'un qui a jamais pratiqué des actions sexuelles. Ah ouais, putain, j'ai entendu. J'arrive à le sentir, Vito, lui, il l'a jamais fait. C'est chaud pour lui de trouver des vierges. J'ai entendu la voiture. Ah, je l'ai. Ah ouais, c'est là, c'est bon, on peut monter là? Vas-y, vous pouvez monter. C'est où? À ta gauche. Voilà, là t'as la voiture devant toi. Voilà, tourne. Là t'es au niveau. Pop, par où? Voilà, là t'es au niveau du capot. Fais le tour. Encore. Ah ouais, c'est bon, je la touche. Encore. Non. Aïe. Arrête-moi. T'es un bâtard, moi. Désolé. Voilà, avance encore. Merci. Ah, ça va, je vais me servir de mes mains pour sortir. Vous voyez que dans les trois, c'est bon, je vérifie. Oh, je vois rien du tout, ça me fait peur. Backup, parfait. Parti. Hop, non. On ne voit rien. Et vous aussi, les viewers. Bon, alors, vous ne voyez rien. J'essaye de jouer le jeu à maximum. Les deux heures. On va voir la des découvertes. Ça vous dit quoi? Vous êtes content ou vous êtes pas très content? Oui, c'est bien, wow, c'est bien, oui, qu'est-ce qu'on va découvrir? Pour ça. Ah, c'est la surprise sur les gâteaux. Comme on dit, une surprise, ça se dit qu'au dernier moment. On peut tout dire comme ça d'un coup. Non? D'accord. On peut regarder la surprise, je comprends. Ça se tient. Ouais. Ça va dans la logique, après tout. Ouais, bah j'essaie de jouer le jeu à maximum, ouais, quoi. J'essaie de pas regarder, mais c'est chaud. Ça va pas les faire. Voilà. C'est comme si tu me disais directement ton nom et ton prénom. Raquiller mon bas les couilles. Il voulait juste avoir ton prénom. Je m'en fais déjà dit, mais bon. Ouais, mais il te demande que ton prénom. Et tu me donnes ton nom de famille aussi. Tu vois? Pour moi, laisser un peu des surprises à la vie. Voilà, c'est la même chose. D'accord, on compte quelqu'un, vous me connaissez le prénom, je suis bon quand même, si je peux me permettre. Pour me le recontacter par la suite. On va rester comme moi, ça. C'est pour ça que ça marche, Manu. Si j'en compte qu'un, je lui demande son nom, son prénom. Et tu veux le chercher toi-même. Tu veux chercher son nom. Bah, c'est vrai que c'est un côté intéressant quand même. Tu sais que tu peux te faire choper. Et... Ah, moi, je regarde sur les pages jaunes ou sur les internets. Mais imagine, il n'est pas du tout sûr.
Imagine, il est pas sur internet. Oui, mais ça serait. Il est pas sur Facebook, c'est pas trop pour la débloquer. Et là, il fait une Vader, mes couilles là. Imagine, il est pas déçu. Hein, t'es bien obligé de chercher. Ouais, ça fait peur quand même de chercher les gens comme ça. C'est quand même très bien déjà de pouvoir chercher tout seul. Par ses propres moyens. C'est sûr, bah, on dirait, moi quand j'étais petit à Saint-Dijon, c'était pas compliqué de trouver quelqu'un. Ouais, en même temps, c'est en ville, c'est autre chose. Dans le Saint putain de désert, avec trois maisons, à tout casser. Ah, bah, lui, il parlait pas mal de Saint-Dijon quand même, parce que là, il est pas ménagé, il est pas ménagé, Mario. On est bientôt arrivé là, j'ai envie de pisser. Ouais, t'inquiète pas. T'as envie de pisser. J'avoue, Moustique il emploie un accent. Je peux pas te mettre une gifle. Non, mais arrête de me taper, sérieux, j'ai rien fait. Est-ce que vous voulez aller pisser avant de faire le stage de découverte? Ouais, je peux sortir là. Ouais, allez-y, si vous voulez pisser avant de. Par contre, pisse sans rien voir, on est bien d'accord. Oh, je. Ici, c'est très bien, ouais, comme ça là. Tout droit, ouais. Non, là, non, de l'autre côté. Je me retourne. Ok, ok. Parfait comme ça. Ah putain, ça fait du bien. Ouais, je reviens. Ah, c'est là. Oh, c'est fermé. Ouais, non, pas besoin. Vous pouvez sortir les deux autres. Ok, tentez tous. Pas des soucis. Putain, on voit. Attention. Pas enlever notre masque là? Attention, non! Ok, ok. Je vais les prendre. Je vais vous prendre un par un par la main. Ça sera plus simple. Hop, les jardiniers, impeccable. Le vampire, voilà, tiens-moi bien. Et le dernier là? Ouais. Parfait, là. Ouais, je suis là. Parfait. Ouais. Tenez-moi bien. Ah ouais, je te sers pas trop, ça va? Non, tout va très bien. Bon allez, je vous ouvre la porte. Moi je vais pisser un coup là. À partir de là, vous pouvez... Ah, il a pas pris la porte dedans. Ouais, si, c'est bon. Ah, je vous tiens toujours la main, moi. Hein. Je peux vous lâcher. Vous pouvez enlever ce que vous avez sur les yeux. D'accord. Oh putain, c'est grand. Au lieu. Ah, c'est une salle, c'est la salle de spectacle. Pour votre stage. Et non, ça c'est bien. Pour votre stage. Et on, la première ligne. Personne ne sort de là. D'accord. Donc il n'est pas dit de sortir, personne ne sort. Ok. J'arrive. Pourquoi ils ont des armes? Pourquoi ils sont. Mais. Et hop, level 6. C'est vrai, c'est ce que vous dites. C'est chelou là, qu'est-ce qu'on fait là? Ah regarde, il y a une brouette. Vas-y, on fait un tour. Maman, on va faire pousser du cannabis. Tu penses? Ah, je casse des montures, on va pouvoir fumer des. On va pouvoir fumer des joints et tout. Il y a des rôles, les brouettes, il y a les pots, il y a l'air, il y a toutes les lampes, c'est sûr et certain. Ah ouais. Tu connais toi? Bah, je connais un peu, mais pas à cette échelle, quoi. Hein, lui. Ah, si, il a dit on pouvait visiter. Non, non, reste là. Hein, ah, ok, ça marche. Je sais pas. Il a dit qu'il revenait avec un cadeau. Moi, j'ai pas de problème, hein, les gamins. Faites attention, hein. Ils sont bizarres. Là. Ouais, ouais, en plus. Qui fait peur, en plus, t'as vu, il est équipé et tout. Il a. Il y en a 40 têtes, notamment. Bah, ouais, en fait. Il aurait pu parler à la marée-chaussée. Tu crois qu'on devrait appeler. Non, on n'appelle pas la marée-chaussée. Mon gamin, mauvaise idée, point. Ah, ok, bah je t'écoute, moi j'étais un grand frère, tu sais. Nous, on est là pour notre stage. Ouais, moi, j'ai un stage. Prends-le comme un stage, moi. C'est un stage chez Jardiland. Ah c'est ça, on pourra le marquer sur notre CV et tout, je le dirai à la juge. On a travaillé au Bobo Botanique.
Vas-y, tu veux pas prendre une photo de moi là Non, je prends pas de photo ici, mon gamin, ça coûte. Je sais pas, je voulais un petit selfie pour le Life Invader en mode première journée de stage au calme. Je pense pas que c'est une bonne idée. Ouais, mon gamin, t'es totalement con quoi. Et nous revoilà. On fait quelques préparatifs et. Oh, on va finir quelques trucs là. D'accord. On va leur expliquer, Requin, comment ça fonctionne. Ferme ta gueule, tu dis rien et tu acceptes tout ce que tu dis. Ok, je dis oui, ok. Je dis bravo. Ça marche. Il te demande de faire un truc, tu le fais. Man. Oui, directement dans la boîte. Et tu fais rien qui t'a pas dit de faire, oh. T'as compris? D'accord, on est d'accord. C'est ça, ouais. Copie level 5! Poupou! GG à toi, tu as devancé. On prépare tout ça. Grâce vous à tes. Vous avez une idée d'où on est. Et de ce qu'on fait, debout ici. On va dire, moi je sais qu'on va faire pousser du cannabis, mais. Je pense. On va dire, parce qu'il y a tout le matériel qu'il faut. Et vous êtes sûr ou vous êtes pas sûr? Ouais, je pense que c'est pas. Quel est votre dernier mot? Moi je dirais oui. Vu qu'on a. Moi, je pense à un stage. Je disais un stage à Jardiland. Un stage à Island, exactement. C'est ce qu'on va faire dans le CD. Non, vous aimez bien Jardiland. Je pense que t'as raison. De toute façon, GG, il a souvent raison en vrai. Hein. Il est super intelligent, faut pas croire. Ah ouais, c'est pas parce qu'il a 68 ans que c'est un con. Oh hein. Bah, j'espère qu'il travaille aussi bien alors. Bah, vous allez voir, je travaille mieux que personne. Surtout que moi, je m'y collais un peu à cannabis, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, là, cette échelle, c'est vrai que ça fait beaucoup. Hein. Bah, ouais, c'est parfait alors. Bon, c'est simple. Là, actuellement, on a des graines, tu vois. Ouais. Vous voyez les tapis là? Ouais, je les vois, voilà. Ouais. Voilà, les tapis les là après. Voilà, vous mettez les pots. Les pots, on vous mettez les graines, on se chargera de balancer l'eau et les. Ouais, on mettra les lumières, oui. Tu vois. Oh, vous mettez le terreau et tout. Vous utilisez des produits chimiques ou pas, Manu? Dites-le moi. Ah, bah non, 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 non. On met rien du tout. Enfin, après, si bon, on met de la terre, t'as vu. On sait pas ce que c'est, tu vois. Pour que ça pousse aussi vite, vous voulez bien utiliser des trucs. Ah, on me la fait pas, moi, dites-le moi. Ah, ouais, bah. Après, c'est toute une technique, tu vois. Après, c'est ce qu'on met dans l'eau, tout ça, tu vois. Ouais, je peux pas trop t'en dire, tu vois. En bref, donc vous passez, voilà, vous mettez bien au milieu là. Ok, ouais. Oh, on est trois à un tapis chacun, ça fait comme ça. Voilà, là. Un ouais. Tapis chacun. Vous allez chercher les graines. Marron aussi. Donc vous allez chercher les graines là-bas. Voilà, là il y a une petite boîte là, vous voyez. Tu vois. Attendez, juste dans le plan. Putain, mais elles sont toutes petites les graines. Je pensais que c'était plus gros. Du coup, Topola là, pour la caisse là, on leur donne accès, c'est ça? Pour la boîte. Ok, vas-y. Vas-y, du coup là, tu vois, y a un petit mot de passe sur la boîte. Et ICSP en majuscule. Voilà. Vous voyez les petites graines là? C'est bon. Ouais, Mario. Oh, question. Comment ça se passe? C'est qu'ils ont géré un prix directement la bonne avec les graines. Ils se leur montent juste là. Vous prenez 15 kilos, vous avez vu. C'est 15 kilos par tapis là. Grosso modo, ils prennent ce qu'ils font en graines dedans. Ouais, ils plantent tranquillement. Derrière, ils les échangent et les mettent les dedans. Mais c'est bon, il y en a assez pour faire une fournée là ou quoi? Oui, il y en a assez. Non, il y en a pas assez. Non, en fournée complète, il y a pas assez. C'est bon là, tout le monde a. J'en ai pris 15, j'ai mis un peu de café dans la boîte à graines. C'est parfait, vas-y. Du coup, ouais, les cafés, y évitez les boire. Ouais, vas-y, serre-toi. C'était pour les patrons. Ça déboîte. Non, attends, faut faire synchroniser. Faut bien synchroniser. C'est quoi le code? Moi, ça marche pas. Du coup, là, sur tapis, il est pas. Ah, Vito. Ouais, tu vois. T'as dit, c'était quoi le code? Moi, ça marche pas. C'est pas SSD. Vous l'avez ici, les gamins? Redemande, je sais plus c'est quoi. Il a perdu le code, faut aller lui redonner. Ok. Putain, le vampire, il a un grain, je crois. Je suis dit SSD. Je suis trop un boulet. Que tout le monde soit pris hein. Parce que c'est un vampire, ça. Un peu con.
Bon, bah, il va falloir qu'il s'habitue aux lumières, hein, puisqu'il y a des lumières un peu chelou, hein, des fois. Ouais, pas pensé à ça. Ah ouais, on balance des ultraviolets et tout. De toute façon, il a encore son masque, donc ça va. Ouais, ouais, écoutez-le bien, là, les gamins. Bon, je me répète, là. Ce tapis-là, il n'est pas utilisable. Ok, très okay. bien. Dans tout le reste, là, vous pouvez balancer vos pots, là, et vos graines dessus. Ah ouais, ouais, genre, je peux planter, là. Voilà, non, pas tout de suite, pas tout de suite. Okay. Mais, t'as compris le fonctionnement, tu vois. Ah ouais, ouais. Bon, jusqu'à là, on attend. On balance, nous, moi, je m'utilise avec l'ordi, là. Avec Topolo, là, on s'occupe de mettre l'eau, les lumières, tout ça. Vous avez juste à mettre les graines. Ok. Ensuite, on attend un peu que ça pousse, là. Une fois que ça pousse, tu vois, ça grandit un peu. Ça pousse, oui, mon Dieu. De là, on doit balancer l'aération. Tu vois. Avec, oui. On met des petits ventilateurs, là, tout autour. Comme ça, ça arrête bien à pousser et tout. Là. Et puis après, il y a une troisième phase. Là, si c'est vraiment haut, là, ça devient la jungle, t'as vu. Et du coup, là, on enlève l'eau, les lumières. Et on laisse juste le ventilateur pour que ça finisse de pousser et que ça sèche, tu vois. Ok. De là. Bonne méthode, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. De là. Après, vous avez juste à récupérer. Alors, il y en a un qui va venir avec moi. Enfin, vous venez avec moi, là. Une fois que vous avez récupéré, là, les petites feuilles, là, vous avez découpé tout ça. Enfin, vous montiez à cette échelle, là. Vous voyez, vous vous mettrez là. Toi, tu montes sur l'échelle et tu t'accroches là-haut. Ah ouais. On te laissera faire, GG. T'as l'habitude des échelles. Ouais. Voilà, vous les accrocherez là-haut. Et puis après, bah, une fois que vous voyez c'est bien séché, là, vous les descendez. Vous les balancez sur la table, là, et vous commencez à mettre dans les pochons. Ok. Ah, pas de problème. Bon, vous en avez expliqué quelque chose ou vous y êtes ok, là? Bah, là, pour moi, c'est ok, ouais. J'ai tout compris, s'il pose des questions, je vais leur répondre. Combien de graines par tapis? Ah, c'est 15 kilos, ouais. Ok. Bon, j'ai demandé où il en est l'autre, hein. Putain, ça déboîte comme petite. On va avec des petits pots et quand ça. De plus en plus que ça pousse, faut changer les pots, les mettre de plus en plus gros. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, messia. Faut qu'on se mette d'accord sur les tapis. Qui prend quoi? Vas-y, moi je prends celui-là, le premier là-bas. Bon, on va essayer de commencer à vous mettre sur les tapis. Non, commencez par celui-là par contre. Ah, c'est mieux celui-là. Je t'explique en gros. Ce tapis-là, on l'appelle tapis A, tu vois. C'est tapis A, tapis B, tapis C, et ainsi de suite, tu vois. Tapis ça C va, ça va jusqu'à I, ouais. Je peux prendre le C, du coup. Prends le 2, là, le vampire. Oh, vas-y, bah. Vas-y, balance ça. Je suis le tapis C. Jusqu'au coffre, là. Allez, vous mettez les pots, les graines dedans. Je sais pas qui. C'est bon, là, on fait. Ouais, vas-y, allez. Hop là. Oh putain! Ah, on travaille bien, je trouve. Hein. Ouais, c'est mon travail, c'est les gamins. Oh putain, la lumière elle a changé. Faut pas traîner là. Allez, ainsi de suite là. Okay, voilà, ainsi de suite. Ah, ouais, ok, ouais, y'a du boulot. Vite, c'est le stage. Faut pas traîner les plus rapidement possible. Ah, c'est quoi déjà le code, je sais plus. SSP. Ah ouais, c'est bon. Merde. C'est parce qu'il est déjà là. Merde. C'est parce qu'il était déjà là. Si je vais pouvoir normalement, ouais. Voilà. Allez les gars, allez, plus vite, vous plantez. Ça marche pas bien là, leur graine là. Ouais, il faut bien se mettre au milieu là. Mettons bien au milieu là. Pas mettre au milieu. Mets-toi à mon niveau là.
15 graines de cana. Reste de la place pour des pots. Qui arrive au milieu. Ouais, au milieu. On monte là. Oh merde, putain, j'ai pas mis là. Là c'est bon, tout est plein. Là il n'y a plus besoin, vous pouvez reposer les graines. C'est bon, GG. C'est normal qu'il y en a. Ok, d'accord. Oh, c'est pour là, ils sont un peu plus grands en fait. Bah voilà, bah là on a. Si vous avez encore des graines sur vous, pensez à les reposer dans la boîte. Oh, il faut. C'est important que vous n'ayez plus rien sur vous. Ah non, j'ai plus rien, moi. J'ai tout planté dans les pots. Voilà, la prochaine étape là, en gros, c'est. Bon, vas-y, c'est bon. Voilà, la prochaine étape, en gros, là pour vous, ça sera juste de récolter. Ok. Du coup, là, on attend pour le moment. Ouais, si ça, bah, okay. Faut attendre maintenant. Je peux les regarder un petit peu là, c'est joli. Ouais, vas-y, ça, amuse-toi. Faut leur donner de l'amour, à ce qui paraît. C'est mes potes, ouais, quand j'étais jeune, ils me disaient, faut leur donner de l'amour et ça pousse mieux. Oh bah si tu le dis, vas-y, envoie ton amour. Ouais, je... Oh bah tu vois bien, on a mis des identités. Tu m'étonnes. Ils sont armés, ils faisaient des goliots. Ah bah on nous a tout appris. Hein. Sinon, on y arrivait pas, ouais, on savait pas. Hein. Ouais, c'était des anciens. Malheureusement, ils sont plus là, la plupart ils sont entre quatre planches. D'autres ils sont en prison, d'autres bah ils vrai, sont c'est génial le système qu'ils ont fait. Hein. C'était des bons je sais pas si vous connaissiez, si vous saviez, voilà, je ouais, découvre, je trouve ça énorme. Attitude, tu vas pousser, ouais. Tu vas donner des beaux fruits. Des beaux fruits pour papa. Comme ça, on aura plein d'argent. On aura plein d'argent grâce à toi. Bah oui. Mais oui, mais toi aussi t'es belle. Mais ouais, mais faut pas. Eh, les filles, arrêtez d'être jalouses. Ah ouais. Oh putain, t'es belle toi. Oh, c'est dur de renifler avec. Ouais. Oh putain, tu sens bon toi. Oh là là. Ouais, non, mais en vrai, je croyais qu'il est difficile celui-là en fait. Ouais, non, celui-là, il est un peu bizarre. Franchement, il faisait des bails chelous, policiers. Oh, bah pour le coup. Ah bah voilà. Vous voyez là, ça a bien poussé. Au fait, on attend. Ah ouais. Eh, t'as vu la bourre que je leur ai donné. Ça paye, hein. Oh oui, ça paye bien. Mon dieu, je suis dans un champ. Oh, salut les bébés. Ah, toi, je vais t'appeler Coralie. Toi, je vais t'appeler... Je vais t'appeler Blanche, parce que t'es blanche comme Blanche. Vas-y. Pour moi, les ventilos dès maintenant, allez, hop, hop, hop. Oh putain, tu sens trop bon, toi. Bon, désolé, les filles, je dois vous laisser là. Je suis au travail là, donc je vais aller voir les potes. Ah, il fait plus frais d'un coup. Oui, ah bah. Il s'en est où au niveau des graines là? Bon, et sinon, vous là, ça s'est bien passé votre intégration là pour l'instant? Ouais, en vrai, pour le moment, ça passe nickel quoi. Bah, là, regarde, on fait des stages, on va vers les entreprises, on leur informe de nos stages, et puis ça devrait bientôt commencer là. Oh, bah, c'est cool. On a déjà 4-5 numéros d'entreprises là qui sont OP. Y'a plus qu'à mettre en place ça. Vous avez quoi là? Y'a le GHB, ça tu connais bien. Il y a le Alispidi, il y a le Bédiz, il y a le Hertz aussi, faut qu'on aille voir, on n'a pas encore vu, mais on va y aller. Ok, on... Les Bad Bikers, la fromagerie. Ah ouais, il y a la fromagerie, enfin il y a... Le truc de sécurité. Oh, il y a plein de trucs. Ouais, ouais. Il y a le LSN aussi, beaucoup le LSN grâce à Kyle. Le LSN, par contre, si vous arrivez à faire un petit stage. Ah bah attendez, là je vais être occupé.
Oh, juste y'en a un qui peut me dire où c'est un niveau poussage là quand ça arrive au niveau à ce niveau là, tu vois. Et là, y'en a 3-3 là. Putain, les filles, vous avez trop grandi, vous êtes plus grande que moi. Wesh, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh putain. Poussé, tu vois, tu vois ce que ça, dire. Ça marche. Ah bah non, c'est bon, c'est bon. Donc tranquille, il aurait pas bien en fait. Oui, pardon, les gamins. Ah, ouais, GG. T'as fait ta petite sieste là. Ouais, salut Glouc, bienvenue à toi. Comment tu vas? C'est l'odeur, je crois qu'il a flingué le cerveau. En gros, ça m'est arrivé sur l'autoroute, vous savez. Oh putain. Hé Blanche, t'es plus grande que moi. Et toi, je sais plus comment je t'avais appelé, mais je t'aime toujours autant. T'es trop belle. La vérité. Wow. Allez, Titine. Faut leur donner de l'amour, GG. Allez, potes. Allez donner de l'amour aux plantes. Franchement, c'est important pour leur développement. Leur de l'eau, mon gamin. Ça marche. Et du coup, là... Bon, attendez, je vais attendre. Genre, on va finir, là. On va attendre que ça finisse. Hey, il est génial leur système. Merci à toi Glouc pour le follow. Bienvenue à toi sur la Soon TV. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qu'il y a, GG? Le vampire. Ah. Non, ça va, le masque qui me protège, c'est en esprit. Ça chauffe quand même, hein. Ah, il fait chaud, puis là, l'odeur, tu sens. Soleil. Moi, je me sens un peu vaseux là, genre l'odeur, elle me shoot. Ah, oh, ouais, non, mais c'est normal. Faut s'habituer. En tout cas, c'est magnifique, quoi. C'est un beau spectacle. Waouh, putain, il y en a partout. Salut les filles. Bah oui, vous manquez de rien. Du coup, là, ouais, Glouc. J'étais sur Arba avant. J'étais sur Fantasma. Ils étaient pas rentrés dans les cierres là, ou enfin dans les trucs là, sur les tapis. Ouais. Et bien regarder les feuilles où ils en sont, tu vois. Comment c'est quand on peut récolter? Ah bah justement, tu vois, quand tu tournes un peu autour là, tu vois bien les feuilles qui commencent à jouer, tu vois. Je me mets sur le tapissé. Oh là bah ouais, s'il y en a un qui aille au tapis A là et puis c'est parfait. Du coup là, celui qui récupère le tapis A, il va directement là où je vous ai montré à l'échelle là. Et puis vous montez sur l'échelle et vous mettez ça. Pareil, l'échelle elle prend que 15 plans, tu vois. Voilà, ils sont bons là, faut les récolter là, vraiment. Ouais, non, de toute façon tu verras quand ça sera bon. Faut bien tourner autour là, tu sniffes un peu bien là pour savoir. Très important. Et les potes, c'est trop dur de sniffer avec une pince à linge sur le thé. Putain, ça donne envie de faire une sieste là-dedans, là. Ah ouais, ça m'est déjà arrivé de m'endormir, là. C'est vrai, bah en même temps, c'est... Ouais, tu vois, je m'étais calé dans la brouette, là. Si j'avais décalé la brouette, je m'étais mis au milieu. Laisse tomber. C'est apaisant comme endroit. Ouais, ton pot, là, pour l'instant, il bosse bien. Là. Oui, tout va très bien. Combien on récupère sur tout ça? Ouais, c'est sur tout ça. Je voudrais expliquer comment ça fonctionne pour... Ouais, je dois y monter. Ouais, il monte sur l'échelle et puis tout ça, tu vois. Parfait. J'ai pas envie de me foirer, j'espère que ça va pas être trop dur. Ouais, sinon là, vous êtes venu à combien là, une sortie de l'hôpital là? Ah bah, y'a Beuchat. C'est 5. Vous êtes 5. Y'a Gwendo, y'a Blanche. On sort pas de l'hôpital, hein. Ouais, attends, c'est ce que j'allais dire, ouais, tu sors pas de l'hôpital, quoi. Juste le raccompagnateur, hein. Ok. Hein. Des pépettes grâce à eux. Ah ouais. Voir le maire, j'allais voir toutes les aides sociales, etc. Là où j'allais voir. Je vais dire que je suis leur tuteur et ils vont me donner des aides. Oh, ouais, je pense que c'est eux, ouais. Carrément, copie. Mais il a dit qu'on le verrait et qu'il nous mettrait un message. Mais du coup, là, une fois que vous aurez plus la juge, là, vous allez commencer à faire des conneries, non, je suppose.
Ah bah voilà, allez, vous pourriez commencer à prendre. Allez, faut ramasser le premier là. Voilà, après vous allez remettre dans le coffre. Allez, remettre dans le coffre. Voilà, ainsi de suite. Ouais, non, t'as oublié le séchage là. Ouais, c'est parfait, t'as pas oublié toi aussi. Ouais. Genre, je dois les mettre quelque part avant de les mettre dans le coffre. Oh, bah, dans le séchage là. Ici, au niveau de l'échelle, là, les gars, je vous ai dit. Voilà, vous avez compris. Oui, ouais. D'accord. Et là, c'est bon, vous avez bien accroché 15 plans là. Ouais. Nickel. Ah, ouais, mais c'est trop bien fait. Les accrocher, je crois. Ouais, non, non, mais il y en a qu'un qui accroche, tu vois. C'est tellement bien fait, ça déboîte. Voilà. 14. Ah putain. Faut il y se dépêcher. Un mis, là, il surveille et puis les deux jeux là, ils vont ramasser. On met dans le coffre en attendant. Ouais, ouais, vous mettez dans le coffre. Ok, d'accord, super, j'ai compris. Ça paraît compliqué, mais c'est plutôt ça un peu plus grave. Ah putain, j'y arrive pas. Je les ai bien pris. Ah ouais. Ça avait marché. Pourquoi ça marche plus là? Pourquoi j'arrive plus à faire sécher un requin? Bah, c'est normal là, faut que tu récupères, tu mets dans le pochon là. Bon, faut bien que tu. Voilà, faut que tu. Là, tu colles contre. Voilà, tu vois, tu te mets bien au niveau de la table. Ouais, mais ça veut pas. Ouais, faut que. Tu contractes ton muscle, eux, là. Vous y arrivez pas, là. Je t'avais pas la place. Parce que ce qu'on a mis dans le tas, c'est bon, c'est bien comme ça. Je m'occupe de ramasser, fais sécher. Le vampire, je m'occupe de ramasser, fais sécher. Hop. J'ai pas la place dans mon inventaire, mais c'est normal. Bon, attendez, c'est bon, t'as réussi là. Bah, non, Yeti, j'ai pas la place. Alors que je veux. T'en as déjà sur toi. Bon, on a perdu la première fournie, c'est pas grave. Merde. Mais mauvais travail. Mais faites attention là. Là, c'est la première fois tranquille, mais bon, après. Mais tu dois avoir des feuilles sur toi, non? Ouais, non, c'est bon, en fait, j'ai compris. Du coup, t'as pu ramasser les pochons ou tu les as perdus, là? On dit pas que tu les as perdus, quand même. Ouais, si, on l'a perdu la première fois. Non, j'ai pas perdu. J'ai mis dans le coffre. Ouais. Ah, bah, parfait, alors. Oh, requin, on va ranger ce que t'as sorti au dernier moment, là. Vas-y. Je vais faire sécher. On peut en faire sécher que 15? Ou plus? Ah, ouais, que 15. T'inquiète, il m'occupe de requin. On va ranger ce qui est devant la porte. J'en mets 15. Vas-y, j'y vais. Moi maintenant. Hop. Bon alors, est-ce que les stages vous plaît au minimum? Bon, oh, c'est super. Ah, c'est très instructif. Hein. C'est bon, j'ai compris. Arrêtez, ok. Là, faut attendre que ça aille sur la table. Là, faut attendre que ça sèche. Ouais, c'est ça. C'est qui va pas. Vous avez mal éteint les tuyaux du dé. Et on a plein à faire sécher dans le coin. J'espère qu'il n'y a plus rien. Ouais, il y en a plein, ouais. Ah, c'est bon, de toute façon, une fois que t'as compris le système, comment ça marche, c'est cool. Il n'y a plus de pertes après. T'as pas perdu là, tu l'as mis dans le coffre, c'est trop bien mis. Ouais, j'ai tout mis dans le coffre, là j'attends que ça sèche et bim, je remets dans le coffre. Ouais, là faut attendre que ça sèche. Ouais, vous pouvez commencer à refaire le même trajet. Avec les graines qu'il y a en plus. Tiens, là, c'est bon, là. Il n'y en a qu'une personne qui restera au séchage et les deux autres s'occupent, hein, comme tout à l'heure, de planter les graines. Ça ira très bien. Oui, fais-le. Ça fonctionnera. Vous devez décider qui fait quoi. Je vais planter, là. Bon, ok. Il y en a un qui sèche, il y en a deux qui plantent. Tu fais et quoi le PC, je vais... c'est... Il peut le faire au cas où, mais bon.
replanter les graines de canard. Ah, tapissé. Paf, continue. Putain, j'ai peur que ça fasse une... Ouais non, faut récupérer là, à ce niveau. J'arrive pas là à ramasser les sachets. Ouais non, c'est moi qui viens de récupérer là. En gros, faut que tu te mettes ici, regarde mon pote. Prochaine fois, tu te mettras ici, tu vois, à peu près ici. Ok, c'est ça. Oh, du coup, là, c'est moi qui ai ramassé là. Bah, attends, tiens. Récupère, ok. Tiens, je te file. Attends, on récupère rien. Je te file, je te donne là, puisque je dois m'en occuper de autre chose. Ah, c'est pas. Faut que tu mets les dents, quoi. Un requin? Ok, sur mon coup. Remonte-moi vite fait parce que j'étais en train de prendre des graines là justement, mais remonte-moi pour récolter les pochons. C'est vers où qu'il faut se mettre à peu près? Comme ça, je te redemande pas. Mais à peu près ici là. Faut que tu tournes ici en gros. Ah ouais, ok. Et ça les prend automatiquement en fait. Ouais, en gros. C'est bon, il n'y a plus de graines normalement. Il en reste 7 là, je vais les mettre. Oh, ouais, on va les mettre. Ouais, nickel. Ouais, c'est bon là, j'ai tout. Ouais. Christian, il s'est fait attaquer par une top, enfin le fermier. Ah, y a moyen. C'est grave s'il y a une top à l'intérieur du bâtiment, on revient dans le bâtiment. Ouais, en gros, ouais. Bah, après, ça, il y a une chance sur deux, soit il te relâche dans le bon bâtiment, soit bah, il faudra qu'il sorte et qu'il revienne. Ok. Bah, et dans ce cas-là, ouais, il faudrait que. Tranquille, tu vois. Bon, il faudra que je prévienne les autres, là. Je vais les prévenir, attends. Il y en a un, il a eu un trou top là, donc il y a moyen qu'il ressorte et qu'il revende, tu vois. Vas-y, faut récolter. Ouais, bah faudrait que on soit dans la même dimension. Vite. Ouais. C'est bon, t'as nickel, t'as réussi. J'arrive pas à ramasser. Merde. Peut-être à ramasser Vito. J'en ai ramassé 15 moi. Ouais. Avec ce qu'il y avait sur la table. Ouais, bah c'est 15, ouais. Okay. Vas-y, remets-les à sécher et moi je les ramasse si tu veux. Ouais, je me suis dit, faut traiter nos mats de patates pour level up. Eh non! Eh non, ça marche pas. Ça se trouve, je vais faire mon enfoiré plus tard. Et Il est revenu des atopes ou pas? Oh bah non, pas encore. Et quand il sera revenu des atopes, il se masquera, bandera les yeux et il y aura de l'or. Il rentrera. Ah, ils ont froid ça. Moi je prie pour que ça arrive pas la taupe là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris de pilule. Et pour ça que je vous ai demandé si vous voulez aller pisser avant. Hein. C'est pas vrai. Oh, okay, bah... dit, non, tout va très bien. Ah ouais, bah ouais. J'ai vraiment pissé quoi. Bah de toute façon là, c'est presque fini la première retournée, tu vois. Yes. Donc à la limite après on pourra vous rebandier les yeux ou faire sortir et pisser en coup, tu vois. Ah, pas de problème. Là j'attends que ça finisse de sécher, je récupère et puis je range et puis tu t'occupes de remettre sécher la suite. Ouais, c'est bon. Sécher, là, c'est bon. Pire, ok, ramasse, vas-y c'est bon, tu peux mettre la suite. Ah bah c'est nickel, vous êtes synchronisé là, c'est bon. Ça tombe bien.
Bon, un sale con, ça aide pas non plus, quoi. Et voilà! Le level qu'on attendait tous. Oh, vous êtes en communication là avec Odigio ou pas? Ah non, pas du tout, on n'a pas de radio ou de quoi que ce soit. Ok, ok, ok. Mais je peux voir, je vais essayer de l'appeler au pire. Oh, moi chier. Vito, ramasse les poches pleines. Vito, faut ramasser vite. Ouais, tranquille. Ok, t'es là, c'est bon. Oh non, là c'est fini. Oh, juste hop là, avant, c'est bon. Puis, il va falloir ramasser après. D'accord, très bien. Une fois que t'as compris le timing, c'est trop facile de faire ce métier. Je vais aspirer dans une turbine, le moi. Gars, ouais, ils sont bien entraînés, viens m'aider à remettre des graines. Oh, ah, il reste des graines. Ouais, il y en a 12. Vas-y, 12 graines. Tu mets... GG. GG, tu mets des graines. Il y a des graines là. Ouais, ouais, ça revient en fait à chaque fois. Oh non, attendez. Ah, on attend. Oh, et là on finit ce qu'on a. Et... puisqu'en gros, on peut pas mettre des graines quand il y en a déjà. Ah, aussi. En plein milieu, ok, ouais, faut attendre. Okay. Ouais, sinon en fait, c'est pas rentable, tu vois. Ouais, quand t'écris dans le chat aussi à la participation, ça fonctionne. Vas-y, je récolte. Voilà. Et Kuruko. Allez, encore en plus. Bim. T'inquiète pas, il n'y aura plus aucune perte là, on est des pros. Ouais, j'espère bien. Ah non, non. J'espère bien. Je crois qu'il n'y en a même jamais eu, hein. Non, je crois, il n'y en a pas eu, parce qu'on a mis dans le coffre. Ouais, il n'y a pas eu, à chaque fois on a mis dans le coffre. Ah là, il en reste 9 à sécher. Donc, t'as combien dans le coffre là en tout? Dans le coffre? Ouais. Tiens, je te laisse regarder, Vamp. Vamp. Ah, mais tranquille, on regardera après une fois qu'on aura fini ça là-bas aussi, j'ai dit. Pas mal ça, comment tu m'as vamp. Ouais. Bien. Ah, excuse-moi, c'est sorti tout seul. Oh, j'aime bien, c'est pas mal. Ah, t'aimes bien. C'est cool. Excusez-moi les potes, vous avez pas de drop au niveau du live, ouais, ouais. Du live en lui-même, pas du jeu. Pour moi aussi, il est bon, c'est. Ouais, ouais, tranquille. On est au taquet. J'espère bien. En plus, on n'a pas fait de perte, je suis sûr. Voilà, on est à 84. Oh bah on va dire. Et il reste 40 graines encore pour la prochaine tournée. T'inquiète, il en reste encore plus. C'est parfait ça. Oh bah. Oh pour là le parfait, le dernier il a poussé non. Ah, c'est nickel parce que j'ai mon retour OBS. Il me dit qu'il y a des problèmes au niveau du débit, mais du coup, si vous avez pas de drop, c'est cool. Mis à part les drops de GTA, mais ça, c'est parce que j'ai pas relancé. Et la taupe me surveille là. Bon, après tout ça, là, on va faire une petite pause pipi et puis nickel. Ouais, ouais, ouais. Là, j'attends qu'on puisse récolter. Ouais. Ça va, on travaille bien, tu penses quoi? Bah après on verra à la fin, à la base on avait à peu près 400 kilos de graines tu vois. On verra ce qui nous en restera là tu vois. Ah, faudrait que je demande un jour GG un carnet de suivi à l'éducateur. Comme ça les entreprises elles pourraient mettre des messages bien et tout. Pour dire qu'on travaille bien et tout. Oh, j'ai pas le mauvais idée gamin. Bon après comptez pas sur nous pour mettre du bien quoi. Ouais c'est... On dirait que c'est jardinant. Oh ouais. Il
On va vérifier leur putain des deux. Oh, du coup, faites pas de bêtises là, je reviens, je vais l'aider. Ouais, bah de toute façon, on t'attend. Hein. J'ai plus rien, c'est séché. Non, non, là pour le moment, bah là, il faudra qu'on récolte ça et puis qu'on fasse tout ça sécher. Et qu'on mette tout ça dans le coffre. Oh, non, non, ça passe nickel et je suis à l'autre bout du monde. Parfait. Bah merci les potes pour le retour, ça fait plaisir. Faut faire un groupe sur Life Invader, c'est une super bonne idée. Pas, il a dit qu'il allait... Des gens qui ont eu un stage, des gens de l'hôpital dans la tête de Boston. Et on récolte, c'est parti. Ça se fait qu'il a disparu. Ok. On va faire sécher le vampire. Ramasse-toi. Ouais. Ah, c'est bon, tranquille. Oh, right. Du coup, vous avez fini de ramasser le dernier pied là. Oh, je vais arrêter, on va faire une petite pause pipi pour tous ceux qui veulent. Le jeu, il galère trop. C'est sécher cela, puis après on fait la pause. Oh, vas-y. C'est bon, tu les récoltes, GG. Ouais, ben lui. Salut à toi, Asimo59. Big up à toi Kyle, big up à toi Copy, Glook, big up à toi Report, et big up à toi bien entendu à Bestia, j'espère bon, que... Bon pote là, placez-vous là, faites attention, ils vont vous risquer d'avoir des problèmes. Ouais. Oh, merde. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon petit moment sur le live. Cachez-vous, oui. Continuez mec, cachez-vous. Je vais faire le guet. Continuez à faire sécher. C'est bon, ça a séché. Ça bug totalement. Il veut pas. Hein.
Allez, on ça... bouge là. On y bouge là, on va devoir bouger là. Ah ouais? Là, ça, ça, ça sèche. On replante plus du coup là. On va avoir une perte de séchage là, on s'en fout. Non, non, on va pas attendre 30 secondes. Bah, normalement là, dans quoi? Dans 30 secondes même. Bah, c'est bon. Vas-y, bon, on prend le risque, on attend. Bon, on récupère vite le séchage là. Vous balancez ça vite fait dans le coffre là. Ouais. Celui qui récupère. Et puis on se bouge de bouger là. Ok, ça marche. Ça marche, c'est bon. Ça veut pas. Putain. C'est dans ces moments-là où il faut être rapide. Que ça marche pas, être rapide. Allez, là, ça devrait le faire. Putain, sérieux? Bah, j'essaye de les mettre dedans, mais. Y'a plus de place, peut-être. Ça m'embrouille. Ouais, non, normalement, ouais, y'a pas assez. Ah, attends, tiens, regarde. Vas-y. Y'a plus de place. Y'a plus de place. Ah bon? Bah oui. Alors, moi, j'ai rien reçu là. Tout à l'heure, on te dit. Ah merde, désolé. Vas-y, au pire, mets les mains sur la tête là. En fait, je crois qu'il y a plus de place. C'est pour ça. Oh, mais attends, j'ai les poches pleines. Moi, j'ai les poches vides. Vas-y, mets les mains sur la tête. Vas-y, vas-y. On va le faire. C'est toujours dans ces moments-là où il faut se dépêcher qu'il se passe une couille. Ah ouais, mais putain, il s'est blindé là. Ah bon, ouais, c'est bon. J'en ai un sur toi. Ok, ok. Non, tiens, Vito. Merci les potes, désolé. Oh, je vais les faire sortir là, je leur rebande les yeux, je les fais sortir. Tiens, je te rattache, je te rebande. Les merdes avec ta connerie. Voilà, c'est parfait. Oh, vas-y, avance, on va aller jusque devant la porte. Putain, t'es merdes avec ta connerie, ouais, ouais. Tout droit. Ouais, tout droit, tout droit. Vas-y, vous arrêtez devant la porte, non? Oh, puis je te rebande les yeux. Oh, ouais. Okay. Toi aussi. Ouais, je vois plus rien là. Vas-y, avancez tout droit là jusqu'à la porte. Voilà, nickel. Je l'ai fait sortir. Aïe. Oh, on les fait monter dans quoi là, les gars, dans la cour? Il y a la barre chaussée là. Faut se barrer. Vas-y, allez, venez là. Voilà, tenez mon bras là, tenez mon bras. Ouais. Allez, jusqu'à la cour. Voilà, vous avez les portes là, allez monter dedans. Je l'ai dit bonjour là, du coup j'ai pas entendu, désolé. Ça fait flipper, j'ai flippé ma race, j'étais là en mode, mais ils ont l'air de gérer la situation. Qu'est-ce qu'on dit si la marée chaussée nous questionne? Oh putain, j'ai flippé ma mère. Vous dites que vous avez rien vu là, vous savez pas. Non, moi je sais rien du tout, moi. Du coup là, pose dans la boîte à gants là, ce que t'avais là. Ah ouais, je vais poser. C'est pas qui dit qu'il y avait de plus là. Tu peux couper leur radio? Ouais, bien sûr. C'est bon, c'est dans la boîte à gants. Vas-y, enlevez ce que vous avez sur les yeux là. Oui. Bon là, je vous dépose là les potes. Bon, désolé là, il y a eu un petit problème. Ouais. On vous recontacte pour bosser plus tard. Ouais, ouais, puis. Rentrez bien. Hein. Et puis vous avez rien vu. Tiens. Le salaire, c'est bientôt. Oh, t'inquiète pas, je te recontacterai là, on a pas trop le temps. Ah, ok, ouais, non, normal. Vas-y, bon courage, merci hein, pour le travail. Bon bah, les potes, attendez, je reviens, je vais prendre une pilule. Une bonne grosse pilule là.
Ouais, mais j'ai de partir tout le monde là. On le jette. Voilà, c'est... Hop. Et bah, c'est pas de.